Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy IV. Donc cette fois on revient sur la trame principale. Donc j'ai un petit peu avancé, j'ai un petit peu farm on va dire, donc dans la zone. Donc j'ai découvert donc la forêt Chocobo environ de Troya. Alors je sais qu'il y en a une deuxième un peu plus au nord. Ça on la verra plus tard. Mais pour le moment voilà, on a celle-ci, on va en avoir besoin. Parce que bah, actuellement, je peux pas traverser, on va dire, les rivières. Sauf que un chocobo peut faire ça. Et donc, grâce au chocobo, on va pouvoir regagner facilement le... On va dire, alors, là, on a quoi? On a le château, on a la ville. Et est-ce que je peux voir directement la forêt chocobo plus au nord? Normalement, il doit en avoir une là. Village des chocobos. Là, on a toutes les couleurs. Donc, on a chocobo noir, chocobo blanc qui nous redonne des points de magie. Le chocobo noir, je sais pas. Ah, il peut monter normalement les montagnes. En tout cas, la musique elle est sympa. Est-ce qu'il peut traverser? Ah, celui-ci il vole. Ah oui. Bon, tu peux me lâcher là maintenant. Voilà. Et il reste là en plus. Ok. Alors, à la ville de Troya, qu'avons-nous? Faire d'abord ça, donc 4 objets. Autant dire, il va me falloir des nouvelles armures, nouvelles armes rapidement, parce que clairement, les mobs des environs me bolossent. Par contre, les flèches de feu, moi, je veux bien en prendre. Tout ça en fait, ça va nous servir pour plus tard. Alors ici, on va commencer à récupérer les objets. On va les chercher déjà. Par contre, oui, des queues de phénix, j'en ai utilisé. Hein. Aussi. Puis-je vous aider? Carte de membre. Carte de membre de la taverne du roi. Ah, écoute, merci beaucoup. Je sais pas, c'est peut-être une arnaque, mais dans le doute. Les filles sont tellement jolies. Stella, tu es si jolie, quoi. Tu es un homme? Mieux vaut vivre vieux. Je préfère cet endroit au ciel. Je peux enfin m'asseoir au comptoir. L'air est pur et la cuisine est délicieuse. J'adore cet endroit. Ok. Votre carte de membre, s'il vous plaît. Amusez-vous bien. C'est un endroit illicite, taverne du roi. Et on a quoi ici? Ah, il me semble que c'est la salle cachée où on peut voir les développeurs plus tard dans le jeu. Il me semble. Vous n'avez rien de mieux à faire. Il me semble que c'est ici qu'on voit. Moi que je me trompe de FF. Parce que je sais qu'il y a un endroit secret où on peut voir deux des développeurs du jeu. Écoutez, on va regarder, hein. À moins que c'est pas tout de suite. On la sent la douille. Papa, j'ai quand même gardé mon argent. Porte ouverte, moi je dis ça, je dis rien quoi. Pourquoi tous les coffres sont ouverts?
Ah, sortez d'ici tout de suite, ok. Peut-être qu'ils vont être remplis plus tard. On verra. Donc cela dit, c'est amusant, voilà, mais bon, 1000 balles quand même, hein, carte de membre. Par contre, est-ce que je peux... Voilà, s'il vous plaît, merci. J'espère que vous avez de l'argent, rien n'est gratuit ici. Cette section est privée réservée aux membres. La prochaine mois, porte-moi un manteau de fourrure, d'accord. S'il fait du mal à ma Jenny, je ne lui pardonnerai jamais. Je dois m'assurer que tous les clients ont reçu ce qu'ils avaient commandé. Ok. Enfin bref. C'est bien un Troyen. Hein. Mais bon. J'ai apporté un coffre dans la caverne située au nord-est d'ici, mais il est resté coincé au sol. Je n'ai pas pu le récupérer. Bon, moi je vais pouvoir le récupérer. Donc on a vu quelqu'un d'inconscient en haut. Si on l'a vu. Hein. Donc ici, élevage de chocobo noir. Grâce à la richesse du sol et à nos réserves en eau douce, nous pouvons cultiver toutes sortes de choses. En outre, nous pouvons aussi cultiver des légumes pour nos chocobos. Tu m'en diras tant. Physiologie des chocobos, zen. Ok. Ben voilà, on sait où sont passés tous les chocobos noirs. Gazette de Troyes, nouvelle race de chocobos. Les chocobos noirs révolutionneront l'industrie du transport. Les chocobos sont si mignons, ils sentent un peu mauvais par contre. Je peux voler à dos de chocobos noirs, mais ils n'aiment pas. Ils s'affolent quand je m'approche d'eux. C'est probablement la première fois que vous voyez un chocobo noir. Hein. Ceux-ci sont des chocobos d'élevage. Contrairement aux chocobos noirs sauvages, ils ne peuvent pas voler. Il faudrait que vous essayiez de capturer un de ceux qui habitent la forêt au nord d'ici. Ils sont magnifiques. Ils ne volent pas qu'en basse altitude, mais ils ne s'en plaignent pas. On en aperçoit même dans les environs. Cependant, j'ai entendu dire qu'ils ne se posaient que dans les forêts. Ben, c'est un chocobo que j'ai kidnappé en fait. Je suis sûre. Tu vas me parler? Bah oui. Elle doit donner des trucs, non? Les chocobos noirs n'oublient jamais le chemin du retour. Par contre, ils sont un peu craintifs de nature, alors ils s'enfuient immédiatement après être rentrés. Ok. Bon, on va peut-être commencer à passer aux choses sérieuses, hein, avec genre les coffres. Enfin, c'est des coffres, hein. Non, ça, non, c'est juste des objets, donc. Faire attention. Alors, comment on peut arriver là-bas? Alors, laissez-moi tranquille, vous ne voyez pas que je prends un bain de soleil. Nope, parce qu'actuellement, tu es en train de me boucher la vue. Alors, ensuite. J'apporte un... Oui, ça, c'est le coffre. Il n'y a pas un passage secret? Histoire de... Bienvenue à Troya, la cité où les arbres et les cascades abondent. Pourquoi ils sont tous là? Ah, j'allais dire dans l'eau. Éther. Simulacre. Super éther. Vous avez entendu parler de l'herbe murmurante, on dit qu'elle permet de transmettre la voix très très loin. On a tout? C'est bon. Alors, il y a quel édifice qu'on n'a pas encore fait? Ça c'est Namingwe, il va vouloir encore m'embêter. On n'a pas fait l'auberge et la maison en haut. Enfin, si, celle-là, attends, je me souviens plus. Oui, lui, c'est élevage chocobo noir, c'est. T'inquiète, je sais tout. Je vais juste aller voir là, niveau
objet. Par contre, dès que je peux récupérer des pavillons... Je veux plus de pavillons. Alors... 400 quand même. On augmente bien les prix, hein. Alors... Bon, maintenant qu'on a fini avec la ville, hein, on a fait le tour, on a récupéré les trésors. Niveau équipement, je crois qu'il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien du tout. Donc on va pouvoir partir et on va pouvoir aller au château. Regardez, notre petit chocobo noir reste ici. Attends, là, je me prends un combat. Je n'avais qu'à pas traîner. C'est clairement ici que je me fais, on va dire, mettre à l'amende. Le château. Château de Troya. Bienvenue à Troya. Ça a l'air joli en plus. Oh, 26 coffres, un objet. On va visiter, hein. Alors. Parlez moins fort, notre malade dort. Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Édouard. Cécile, vous êtes vivant? Quel soulagement. Laissez-moi me joindre à vous. Tu n'es pas en état de le faire. Tu ne serais qu'un fardeau. T'es là, pardonnez-moi. Anna a péri par ma faute. Jamais je ne pourrai expier cette faute. Édouard, l'important est de récupérer vos forces. Vous devez vous reposer. Yang, tu as survécu toi aussi. Où est Rydia? Oh, j'aurais tant voulu pouvoir vous aider. Hé, ils m'ont dit que tu as pris soin de Cécile et Rosa. Merci, tu peux emprunter l'Enterprise quand tu veux. Elle t'amènera au bout du monde. Vous devez être Sid, l'ingénieur. Attendez un instant, vous avez un aéronef? Cécile, qu'est-il arrivé à Rosa? Golbez nous a proposé un échange, Rosa contre le cristal de Troya. Cependant, l'elfe noir s'est emparé du cristal. L'elfe noir? Cécile, accepte ceci. Qu'est-ce que c'est? Je pourrais peut-être vous être utile après tout. Vous obtenez l'herbe murmurante. Cécile, va sauver Rosa. Ok. La lyre d'Edouard. Il a besoin de se reposer. Sa santé est si fragile. Qui sait s'il va s'en tirer? Il y a intérêt. Alors. Et je suis sûre, l'objet caché est derrière, vraiment dans un endroit fou. Alors. Troya, rez-de-chaussée. Donjon, premier sous-sol. Autrefois, cet endroit était un donjon. Aujourd'hui, c'est la trésorerie. Les prêtresses vous ont-elles donné la permission d'y entrer? Bah ouais, hein. Vous êtes un mauvais menteur. Non, mais tu te fous pas de moi, j'ai dû subir un spectacle de danseuse. Non, bah, il y a là l'objet. Bon, elles sont où les prêtresses? Parce que je veux avoir accès à la trésorerie. Oh, ouais. Oui, des trésors. C'est un truc speedrun ou... Dans le doute, hein, on va se dépêcher. Hein. Euh, 8 sur 26. Ok.
Parce que je pense pas que je pourrais avoir accès à tout le contenu, hein. Parce que bon, on a fait les deux portes là. Ici, on était dehors, c'est ça. Les prêtresses se réunissent au fond de la salle du fond. Voilà, les prêtresses, ça doit être elles. Donnez-moi la bénédiction de la trésorerie. Nous vous permettons d'emprunter le cristal de la terre si vous arrivez à le récupérer. Nous gouvernons Troya depuis des années sous la bénédiction du cristal de la terre, mais désormais. Que faire? L'elfe noir a volé notre cristal de la terre. Super. N'oubliez pas, si vous vous équipez d'armes ou d'armures en métal, vous ne pourrez pas explorer la grotte située au nord-est. Si vous voulez affronter l'elfe noir, vous devrez vous rendre dans la grotte située sur l'île au nord-est. Sans le cristal, Troya deviendra-t-elle un... L'elfe noir n'aime pas le métal. Ah, il a volé le cristal, quoi. En fait, je me suis fait douiller. C'est honteux. Par contre, pas de métal. Je fais comment? Attendez, attendez. Pas de métal, le mithril. C'est du métal, hein. Ouais, mais le problème, c'est... Ouais, mais non! Ça se fait pas. Son Yang, c'était quoi? Eu de feu. Alors, autant, voilà, il aime pas le métal, donc moi je suis un petit peu dans la mouise, hein. Bah, l'île au nord-est, hein. Tu vas me forcer à refaire tout le. Oh, je vais te prendre un autre chocobo. Façon, ici, il n'y avait rien. Ah si, il y a trois objets quand même à récupérer. Alors... Légumes, légumes, légumes. Non, je veux pas ressortir. Je veux récupérer les objets. C'est un village. Tu vas avoir des trucs. Un, deux. On a vu qu'il y avait un autre passage secret en bas. On a tout par contre. Ah, il y avait aussi des objets. Ah ben, j'irai les chercher. Donc, en attendant, toi, tu viens là. Parce que moi, je tiens pas à tout refaire à pied. Voilà. Alors, l'île au nord-est. Enfin, la grotte au nord-est. Donc, ça doit être ici. Par contre... Ah, c'est fourbe! Oh, mais c'est fourbe, mais à mort. Je suis obligée de prendre un chocobo. C'est quand même... Il faut que je prenne un chocobo noir. Parce que eux, voilà, ne peuvent pas aller là. Donc, je fais la transaction ici. Hop.
Parce qu'en fait, lui, il m'attend et après, il me ramène à l'endroit, au dernier endroit, à la forêt. Il peut se poser qu'en forêt, donc forcément. Enfin, je prends plus cher facilement parce que j'ai pas de chance. Caverne magnétique. Ça va être chiant, ça va être long. Pour un long épisode. Alors. Ah non, je peux pas rentrer. Ce champ magnétique est très puissant. Tout objet métallique nous empêchera d'avancer. On dirait que je peux toujours utiliser mes griffes. Ne craignez rien, avec ma magie, nous serons invincibles. Je peux. Alors, grosso modo, même si j'y vais comme ça. Parce que j'ai encore des objets en fait métalliques. Votre équipe est vaincue. Ah, c'est directement le game over. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole pas. Lui avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Dans tous les cas, l'enlève quoi. Parce que je peux pas mettre rubis. Rubis, c'est considéré comme de l'argent. Enfin, comme un métal, quoi. Là, normalement, c'est tout. J'ai plus rien. Par le marteau. Mais le marteau, j'ai bien besoin. C'est tout objet métallique. Marteau, ouais. Après, je pourrais faire le donjon sans, enfin, en utilisant la technique pas de combat. Voilà. Ouais, avec ma magie, on est invincible. Non, on n'est pas invincible. La preuve. On est invincible avec ma magie. Promis qui tombe. En fait, t'es là, il est trop faible. Hein. C'est la misère. Je vais devoir aller un petit peu farmer alors. Ouais, mais ça va être... Ah, ça va être mythique, hein, le truc. Hein. Ouais, tu prends plus de potions. On la sent, la douille. Ouais, clairement... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire le plein de potions et tout. Je vais m'arrêter là pour l'épisode. Je vais fermer un petit peu. Et après, je reviens ici. Parce que là, clairement, je le sens pas, je suis pas vraiment à l'aise. Parce que j'imagine qu'à la fin du donjon, en plus, on va avoir le droit à un boss, quoi. Pour récupérer le cristal, voilà. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Donc, on s'arrête là
pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc j'aurais aimé le faire durer un peu plus longtemps, mais le problème c'est là, c'est que je suis dans la douille, quoi. Je vais aller rechercher tout ce qui est super potion, queue de phénix et tout. Et on revient ici. Donc à très bientôt.